En vêtements de brebis, mais en deux dons ravisseurs. Prenez garde les faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leur fruit. Vous les connaîtrez par leur fruit de création. Cueillons donc des raisins sur les épines et des figues sur les charbons. Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je prends bien aimé un dicton, un exemple en même temps qui a été utilisé par l'un de mes chefs bien aimés. Et quand ils accueillaient bien aimé quelqu'un dans cette entreprise, ils disaient: vous voyez, cette équipe, elle est tellement bonne. Je suis habitué de travailler avec ces personnes, je les aime bien. Mais si une nouvelle personne vient dans cette équipe et je trouve que la personne est une tomate pourrie, je la prendrai, je la jeterai dehors. Parce que je ne veux pas qu'au sein de mon équipe, qu'il y ait un intrus qui va créer le désordre. Et j'ai trouvé cette parole bonne. Je dis, tiens, mais la nature parle, mais ceci est biblique. Alors Jésus est en train d'élever, bien-aimé, une alarme à l'église, une alarme à ses disciples, une alarme à ceux qui l'aiment tant. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Une personne qui se lève à parler au nom de l'Éternel. Une personne quelque part aussi qui aime soi-disant Dieu. Une personne qui veut se servir du nom de Dieu ou de la bouche de Dieu pour parler des rêves, des choses qui viennent de l'invisible. À ceux-là qui veulent l'écouter, à ceux-là qui se sont bien aimés présentés ou qui sont en face de lui. La preuve en est que quand une personne se tresse ici devant l'autel, on l'appelle un prophète parce qu'il parle de la part de Dieu. Il dit quelque chose d'une manière particulière, que certains appelés prophètes, ils viendront avec les vêtements de brebis. Nous connaissons les caractéristiques d'une brebis. Une brebis, bien aimée, elle est limpide. La brebis est douce. La brebis n'est pas violente. La brebis, elle est calme. La brebis, bien aimée, a une particularité de caractère. Et donc, quand nous prenons les traits de caractère d'une brebis, ça n'a rien à voir avec le loup. Le loup est violent, le loup attaque, le loup est agressif. Alors nous voilà bien aimés. Donc c'est pour prophète que Jésus est en train de nous faire remarquer qu'il y a la première des choses, ils prendront le vêtement, ils prendront bien aimés les caractéristiques de la brebis. Et pour servir le corps, pour servir la part à l'église, pour servir la part au peuple, pour servir la part à ceux-là qui veulent attaquer. Leur comportement sera doux, leur manière de parler sera douce, ils seront quelque part gentils en présentant des cadeaux et parler peut-être par les signes et prodiges. Ils auront des miracles qui vont bien aimer opérer et tout ceci pour attirer bien aimer les fils de Dieu afin de les emmener dans la séduction. Mais prenez garde d'eux, car au-dedans d'eux, ce sont les loups ravisseurs et qui ont une mission appropriée que c'est de tuer, d'égorger et d'anéantir la destinée des enfants de Dieu. Deux, et de mettre une contradiction entre Dieu et son peuple. Trois, et que ce peuple serve de Dieu un objet d'abomination.
Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Le péché le plus grave, excusez-moi que je le dise, le péché le plus grave devant Dieu, entre autres, ce n'est pas l'alcoolisme. Le péché le plus grave devant Dieu, ce n'est pas l'adultère. Le péché le plus grave devant Dieu, ce n'est pas le fait, bien aimé, de tuer, mais le péché que Dieu est, qui énerve plus la colère de Dieu à arriver rapidement, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie et l'abomination. Dieu n'aime pas l'idolâtrie et l'abomination. Quand tu veux prendre la place de Dieu, alléluia, quelque chose me vient là. Nous disons souvent, Dieu pardonne, pardonne, pardonne. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pardonné Satan? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pardonné Satan? Alors, c'est un Dieu rempli d'âme. Dieu combat. Dieu de bon. Mais Satan, il avait dit, toi, niet, je ne te pardonnerai pas. Parce que Satan a manifesté, il voulait se faire une idole. Satan a voulu prendre la gloire de Dieu. Satan n'a pas obéi à ce que Dieu a tracé. Et Satan a voulu se faire la place de Dieu, moi je. Venez m'adorer, venez m'honorer. La Bible dit, un tiers des anges sont descendus avec Satan. Parce que l'abomination, l'idolâtrie est une abomination. L'impudicité énerve Dieu. L'adultère énerve Dieu. Le mensonge énerve Dieu. Tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche sert à la mort. L'âme qui ne pêche pas sert à la vie. Mais dans le péché qui suscite la colère de Dieu rapidement, ce péché s'appelle abomination idolâtrie. C'est ainsi que dans cette année-ci, comme Dieu l'a dit, une année de conquête de concurrents, nous avons la guerre bien-aimée en face de nous, les adorateurs, les idoles. Nous aurons en face de nous les adorateurs bien-aimés des idoles et les pédants, ceux qui voudront prendre la place de Dieu, ceux qui se disent qu'ils sont Dieu ici, dans le domaine politique, le domaine de la société, dans les églises, au niveau des loisirs, au niveau bien-aimé de l'éducation, au niveau de la médecine, tous ceux qui ont pris la place en disant qu'ils sont les dieux, ils sont intellectuels, ils sont les rois. L'année 2016, c'est une année de guerre avec les idolâtres. Médailles magiques dans les sociétés occultes pour dire qu'il parle de Dieu. Cette année-ci, une année de guerre. Nous n'allons pas fléchir devant ces personnes parce que Dieu a créé la différence. Amen. Quelqu'un dit différence. Différence. Quelqu'un dit différence. Différence. Quelqu'un dit différence. Différence. Raison pour laquelle Jésus parle à son peuple. Il dit vous. Vous êtes la différence. Amen. Vous là, vous êtes la différence. Parce que vous m'avez choisi. Vous êtes la différence. Vous courez après moi. Vous êtes la différence. Vous écoutez mes instructions. Vous êtes la différence. On vous haïra à cause de moi. Parce que vous êtes la différence. C'est quelqu'un de différence. Différence. Garde à celui ou celle qui se dira, oh non! Si je ne fais pas ceci, mon copain, mon ami ne sera pas content. Tu dois faire la différence. Car à toi qui te dira, oh non, si je ne fais pas ceci, ma copine ne va pas, je ne vais pas la plaire. Tu dois faire la différence. Amen. J'aimerais te dire, encore te décourager cet après-midi. Amen. Même la personne, soi-disant, qui te donne tous les jours l'argent. Alléluia. Amen. Qui te donne tous les jours l'argent. La personne bien-aimée qui t'héberge tous les jours. Et donc tu crois que c'est la personne qui est gentille. Mais le jour que Dieu va fermer sa porte, tu as beau être gentil, lui faire de bonnes choses, il te dira dehors. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. La personne dont tu te dis, il, elle est gentille. Il m'aime. Il a un cœur de Dieu. Le jour que Dieu, si tu veux prendre cette personne comme une idole, et là, pour la place de Dieu. Le Dieu, le jour que Dieu va se dire, non, je veux que tu dépendes de moi. C'est moi qui t'emmène là où tu veux. Le jour bien-aimé que tu vas prendre la place de Dieu, je fermerai le cœur de ce dernier. Le gentil sera méchant. Celui qui t'aime ne te verra plus.
C'est pour que tu saches que tu es rien. Que tu saches que tu es rien devant Dieu. Que tu saches que ce n'est pas par ta force. Que tu saches que ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par affinité, mon copain, ma copine. Il ne donnera pas. Je peux susciter des dégâts dans ton travail, avec ton travail, avec ton patron, et pour permettre à ce que toi, tu reviennes sur sa voie. Je peux permettre à ce que, au milieu même de ton travail, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à te haïr pour qu'ils te permettent de revenir vers lui. Amen. Souvent, bien-aimés, nous disons que la vie nous est acquise. Souvent, nous disons, bien-aimés, que même le Saint-Esprit est un acquis pour nous. Oui, j'ai le Saint-Esprit, je peux faire ce qui me semble bon. Les démons ne résisteront pas. Les démons, mais tu seras surpris que toi qui parles en langue, cette même nuit, un démon vient te frapper. Oh, tu n'as pas compris. Tu seras surpris que cette même nuit, un mauvais esprit vient te visiter. Mais pourquoi j'ai prié? Rien n'est acquis, mais Jésus est notre acquis. Celui qui porte Jésus, qui prend ses vêtements, et ce dernier sera hors de la séduction de ces faux prophètes. Ils n'auront pas de place. Gardez-vous de ces faux. Ils viennent avoir avec des vêtements de brebis. Et au-dedans de ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Alors, bien-aimés, avant d'arriver aux fruits, nous avons un arbre d'abord qui est planté. Avant un arbre, pour certains, nous avons la sémence, la graine. On prend la graine, on la dépose. Et dans un sol, bien-aimé, travail fertile, et la graine, bien-aimé, commence à pousser. Et la graine pousse au point que ça devient un arbre, il y a le tronc. Et le tronc, bien-aimé, avance. L'arbre prend les racines sur un sol. Donc il y a le tronc. Après que l'arbre avance, il produit les fleurs. Les fleurs qui grandissent deviennent les branches. Et les branches produisent encore les fleurs. Et les fleurs deviennent, bien-aimé, ce qu'on appelle les fruits. Quel processus métaphorique que bien aimé quand nous parle à l'arbre. Et spirituellement, cela représente l'homme. Quelqu'un dit homme. Comment quelqu'un dit homme? Quelqu'un dit être vivant. L'arbre représente, bien aimé, l'être vivant. Et pour ceux qui font les songes, j'ai vu un arbre ceci. Peut-être que c'est toi-même, je ne sais pas. Ou j'ai vu un arbre qui était penché comme ça. Peut-être que c'est toi qui deviens penché. Où j'ai vu des bois, il y avait des bois coupés. Peut-être que c'est toi qui deviens un bois coupé. Mais un bois coupé sert maintenant à quoi? Au feu. Oh là là, c'est pas une bonne chose. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Le fruit est le résultat. Les fruits sont les résultats, bien-aimés, de ce que nous appelons, et si vous le permettez, c'est la conséquence de ce que c'est la sémence, bien-aimé, de la fleur. Bien que le processus est grand, racine, arbre, tronc, ainsi de suite. Et le campagne, c'est une personne. Et bien-aimé, les branches, ça peut être bien-aimé ce qui se manifeste autour de l'homme. Mais les fruits ici, comme la Bible parle, que ne vous inquiétez de rien. Et ne soyez pas complice de personne qui parle en langue, qui fait des miracles. Contentez-vous de celui qui a des fruits dignes des enfants de Dieu. Contentez-vous. Regardez bien ceux-là qui ont les fruits du Saint-Esprit. Les unités de valeur du chrétien. Unité de valeur du chrétien. Alors, si nous faisons la comparaison des unités de valeur du chrétien et les unités de valeur des loups, le loup attaque, le loup blesse, le loup griffe, le loup mange le sang, mange de la chair, le loup poursuit, mais la brebis est là. Mais tu la prends, tu la tapes, mais tu la donnes à manger, mais quelquefois quand vous la faites mourir, vous coupez sa tête, ses yeux sont ouverts et regarde là, vous emmenez ses morceaux. Oh. Alléluia. Mais c'est pas vrai. Quand on coupe la tête d'une brebis, quand on la sacrifie, ses yeux sont comment? Ouverts. Et il regarde là, vous emmenez ses morceaux de viande.
Elle n'est pas agressive. Fais-le. Les fruits bien-aimés de la brebis, c'est des bons fruits. Des fruits dignes des enfants de Dieu. Est-ce que ici, la Bible est en train de parler, Jésus est en train de parler, que tout bon arbre porte de bons fruits. Si tu es bon, tu porteras des bons fruits. Quelqu'un a posé la question sur Jésus. Il a dit, maître, on sait que tu es un homme de bien. Jésus a dit, qui t'a dit que je suis un homme de bien? Jésus lui a reposé la question parce que Jésus savait que dans son fort intérieur, c'est une personne qui venait dans ton courant se moquer de Jésus et de piéger Jésus. Jésus lui a dit, mais aujourd'hui, toi dans ta bouche, tu dis que je suis bon, mais dans ton cœur, tu me traites de tout et du mal. Bravo. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre, arbre bon, porte du bon fruit. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors, bien-aimé, si tu es aujourd'hui bien-aimé un manguier, est-ce que ton manguier bien-aimé produit des bons fruits? Parce que les manguiers bien-aimés qui ne savent que donner des fruits qui sont des fruits, des mangues bien-aimés, c'est-à-dire quand vous mangez la fruit, le fruit, la mangue, fade, c'est comme ça de l'eau la bouche au bourgeois. Si vous êtes ce fruit bien-aimé appelé raisin, est-ce que ce raisin est succulent? Est-ce que ce raisin pousse aux gens de venir encore manger? Et c'est là, bien-aimé, les fruits du Saint-Esprit sont en nous. Si Dieu t'a établi raisin, est-ce que tu es un raisin que les gens cherchent au marché? Parce que ce monde que nous vivons est un monde rempli des échanges. Si les gens viennent chez toi, c'est que les gens veulent que tu leur donnes quelque chose. Si tu n'as pas l'argent, on ne croit pas, pas de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, mais le temps que tu as, le talent qui est en toi, ça attire les gens parce que ton fruit, les gens l'ont mangé. Ils ont dit que tu as un bon fruit et les gens viennent vers toi. Mais si tu es mauvais fruit, on voit qu'il y a le rejet. Les gens te fuient. Ce n'est pas seulement les démons qui font fuir les gens, mais c'est le fruit. Si le fruit est bon, les gens viendront manger. Si tu es à ta tête, ta bien-aimée ananas, quel genre d'ananas que nous sommes? Quel genre d'ananas? Ananas aigre. Alléluia. Ananas aigre. Vous allez à Carrefour, bien-aimé, vous verrez des gens. Oui, venez acheter ananas. On fait la promotion d'ananas. Ananas, ananas, ananas. Dès que vous arrivez, aujourd'hui les gens voient éclair. Je veux goûter avant de l'acheter. On va bien aimer cette personne faire goûter ainsi de suite. Oh oui, c'est bon. La personne dit, tu as mangé ou j'ai mangé? La personne ne demande pas. Alléluia. Ça veut dire que ce fruit ne nous plaît pas. Ce n'est pas le goût qu'il veut. Ce n'est pas le goût qu'il veut. Tu es ananas, mais ananas qui ne plaît pas. Tu es ananas, mais ananas bien-aimé, qui ne plaît pas à Dieu et qui ne plaît pas aux hommes, qui ne plaît pas au travail de Dieu, qui ne plaît pas au service de Dieu. Si tu es papaye bien-aimé, quel genre de papaye? Quand nous voyons bien-aimé les papayes, les papayes différentes, papayes tropicales, qui ont quelquefois un long crâne, papaye normal africain, gros, bleu, joufflu. Mais en mangeant la papaye, quel goût cela donne? Est-ce que la papaye est fade, comme on veut le dire, ou cette papaye bien-aimée plaît? Cette papaye attire que les gens viennent acheter la papaye. Chrétien, lumière du monde. Chrétien, sel de la terre. Chrétien, bon fruit. Quelqu'un dit bon fruit. Quelqu'un dit bon fruit. Le chrétien doit donner des bons fruits pour les nations. L'église, bon fruit pour les ménages, bon fruit pour la société. Nous sommes en guerre, bien-aimés, et cette guerre demande à ce que le bon fruit vienne changer les choses. Alors, le mauvais arbre plante le mauvais fruit. Cet exemple de tomates pourries qui vient gaspiller les autres tomates, et ce chef disait, je te prendrai, je te jetterai dehors. Parce que je ne veux pas la pagaille dans mon équipe. Bien-aimé, cela est pareil. Il y a peut-être des gens, bien-aimés, que tu t'emportes à faux. Les gens qui sont discutés pour ne regrettent rien. Dieu les a trouvés comme des mauvaises tomates. Et pour les mettre en retour, mais tu pleures. J'ai perdu l'homme que j'aimais tellement bon. J'ai perdu ma soeur que j'aimais. J'ai perdu mon frère. Mais
tomate pourrie et tu l'as mis hors de toi. Parce que si cette tomate pourrie arrive là où il y a plusieurs bonnes tomates, qu'est-ce qu'elle fera? L'eau qu'elle est en train de dégager, ça devient bien aimé quelque chose de mauvaise. La première tomate sera contaminée, la deuxième contaminée, la troisième contaminée. Et si le propriétaire ne vient pas sauver les restes de tomates, et on ne sort pas les restes de tomates, on les laisse dans, bien aimé, dans ce même récipient. Parce que le récipient, il a transpiré ce récipient à l'eau. En prenant des bonnes tomates, on les met à cas égard. Et c'est ce que Dieu fera, bien aimé, concernant ceux-là qu'il aime. Il les prendra, il les emmènera quelque part pour qu'ils ne soient pas infestés par les mauvaises tomates. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ça n'existe pas. Tu peux tromper la vigilance d'un évêque. Tu peux tromper la vigilance d'un pasteur, la vigilance d'un frère. Mais si tu as les actes qui ne donnent pas Dieu, un jour, ce qui se fait dans les ténèbres finira par être dévoilé à la. Vous ne dites pas bien lumière. Vous ne dites pas bien lumière. Vous ne dites pas bien lumière. Oui, bien-aimé, le voleur, comme le dit bien-aimé, a 9 jours. Et le propriétaire, bien-aimé, a 1 jour. Si un homme ment sa femme, tu es parti où? Je suis allé au travail. Tu es parti où? Je suis allé à l'église. Tu es parti où? Je suis parti au restaurant. Tu es parti où? C'est bien. C'est bien. On voit la femme comme une bébête. Oui, sort, oh, va bien. Fais un bisou, bisou, il rentre, va bien, mon mari. Mais le jour que Dieu va enlever la poutre dans ses yeux, c'est même pas la femme qui combattra. Les choses seront claires. Amen. On saura que tu as des doubles jeux. Et ce jour-là, bien-aimé, quand on va t'attraper, tu diras que j'ai honte. Tu n'as pas honte. Mais la honte a été finie le premier jour que tu as commencé l'acte. Amen. Et les autres, c'est quand tu les attrapes, oui, j'ai honte, tu n'as pas honte. Tu avais déjà banni la honte le premier jour que tu as commencé l'acte. Faut pas arrêter de faire les gens semblant comme quoi j'ai honte. La honte était finie. Parce que tout ce que l'on fait des fruits, on finit par les voir. Et c'est le même aussi pour les femmes. Tu es allé où? Oh, je suis allé là-bas. Tu es allé à l'église, tu es allé au jeûne, à la prière. Et comme les femmes aiment tellement tous les jours l'église, l'église, tu vois, le pasteur n'est pas là. On dit oui, je suis à l'église, alors que ce n'est pas l'église. On est quelque part, ce n'est pas l'église. Et heureusement, par pudeur, on n'appelle pas les pasteurs, on n'appelle pas les évêques. On dit, est-ce que ma femme est là? C'est pas pour lui. Mais je te dis de rester calme. Je finirai par dévoiler. Je finirai par dévoiler. Il finira par se fait dans les ténèbres arrivera la lumière. Amen. À la lumière. Et pour les gens que je dis qui n'ont plus honte, les gens qui ont un contrat avec Satan, qui ont pris des vitamines de courage avec Satan, les gens qui ont pris des pilules de Satan avec les pilules de Satan, vous dites comme quoi, je n'ai pas honte, je le fais au clair. Cela, c'est des gens qui ont perdu le sens de la mesure. Eux-là, ils n'ont plus la mesure. Ceux-là sont hors mesure. Ceux-là sont hors normes. Ceux-là, ce qui leur reste, c'est seulement de voir leur maître au clair de dire « Je t'adore, Satan. » Parce que l'esprit que Dieu a donné en nous, c'est un esprit bien-aimé qui nous permettra de savoir mesurer que là, nous sommes hors de Dieu. La Bible dit que nous devons servir de Dieu avec toi. Tremblement de cœur. Avec tremblement de cœur, nous devons le servir. Nous devons l'aimer avec tremblement de cœur, le servir. Avec sincérité, tremblement. Mais si quelqu'un n'a plus de tremblement devant le Seigneur, et que la loi qui disait non, on la remplace par le oui, bien aimé, cela devient, tu deviens un agent du diable, bien aimé, qui est une bombe qui se cache, ou bien un vote qui s'endort. Tout bon fruit ne produit pas de. Tout bon fruit ne produit pas du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruit, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Bien aimé, on ne mélange pas le faux dans le vrai, et le vrai dans le faux. Souvent nous disons que non, j'ai menti un peu. On ne ment pas un peu. Le petit mensonge n'existe pas.
On dit chez nous, celui qui vole quoi une aiguille, finira par voler quoi un bœuf. Alléluia. Amen. Celui qui vole une aiguille, finira par voler quoi? Un bœuf. Il finira par prendre un bœuf. Mais vous savez, le péché ou la désobéissance, il y a un coup derrière ça. Dès que je dis non, je prends un peu. Et on n'a pas vu. D'accord. Et tu avances encore. Je prends un peu. On n'a pas vu. Tu avances. Je prends un peu. On n'a pas vu. Ton pain, c'est une personne. Et bien aimé, les branches. Le jour que Dieu va se lever, une surprise. Bien aimé, Dieu n'est pas notre copain. C'est pas notre copain. Nous voyons les sorciers qui ont servi le diable, les occultes qui ont servi le diable. Et quand Dieu décide, il dit c'est ta fin. On voit ces sorciers, le diable les lâchait. Il dit je ne peux plus vous supporter, allez dehors. Et quand ils arrivent servir Dieu, tous les jours, adoration, là où j'étais, c'est la souffrance. Là où j'étais, c'est les maladies. Là où j'étais, c'est l'esclavage. Là où j'étais, si je ne paye pas à une virgule la mission de Lucifer, je me frappe. Je suis destiné à la mort. Mais le chrétien est tout joyeux. Il vient en retard. Il rit. Oh Seigneur. Bien-aimé, je ne vous permets pas. Et ce n'est pas mon souhait. Si vous avez goûté Satan, je crois que tous les jours, les gens courraient aussi pour l'adorer, pour adorer Dieu. Si vous avez goûté Satan préalable, si vous avez comment est-ce qu'il l'attaque, comment est-ce que l'ennemi tétanise la vie, tous les jours, on criera à l'église pour l'adorer. Et les petits points de contradiction diront, non, c'est tellement bas, ça c'est le diable. Parce qu'on sait voir que ça c'est le diable, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais ça, ça vient du diable. On a fait ceci, ça vient du diable. On a attaqué, ça vient du diable. Quelqu'un nous dira, mais tout c'est du diable. C'est le père du mensonge. On appelle le troubleur. Il ne veut pas la paix des enfants de Dieu. Il crée des querelles. Il crée des contradictions. Mais une personne qui ne peut détecter la mission du diable, c'est une personne qui a les fruits du Saint-Esprit. Qui a les fruits du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut détecter l'œuvre du diable. Comment est-ce que le diable travaille? Les manigances du diable. La Bible parle de ses fruits. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. L'amour va bien aimer attaquer les occultes. L'amour va attaquer bien aimer les œuvres de ténèbres. L'amour bien aimé va séparer bien aimer les occultes. L'amour bien aimé va briser la division. L'amour va briser les querelles. L'amour va briser les chuchotements. L'amour va briser bien aimer les contradictions. L'amour, pas notre amour. Je t'aime, ma soeur, je t'aime, mais l'amour que Dieu a mis en nous. Cet amour qu'il dit, aimer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta. L'amour de Dieu, cet amour dont il a donné son Fils pour nous. Le fruit de Dieu, c'est l'amour qu'il dépense en nous. Le fruit de Dieu, c'est la joie en venant à la maison de Dieu. Et même si on a des problèmes, on a attaqué les nôtres. Mais quand on veut la maison de Dieu, nous avons la joie. Cette joie, quand elle circule dans notre âme, dans notre corps, dans notre pensée, et quand elle fait le travail comme les électrons, cette joie finit par sortir. Elle commence à visiter nos parents, nos enfants, nos époux, notre chef. Nous sommes dimanche, mais cette joie commence à viser ton chef. Amen. La joie de Dieu est là. Écoute bien. Cette année-ci, tu auras le poste dans ton travail que les autres. Et ce poste-là, tu le prendras au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Je dis que cette année-ci, les autres ont sacrifié les bœufs. Les autres ont sacrifié les idoles. Les autres ont fait la coupette devant les idoles. Mais toi, avec ton Dieu, tu vas accéder à ce poste. Cette année, le mariage bloqué, Dieu va te l'offrir. Il va te l'offrir. Je déclare ce soir, ce mariage bloqué, viens goûter le fruit de Christ. Il va te le donner au nom de Jésus. En lui séparant le corps,
divorce. Je connais ce Dieu qui s'appelle restaurateur. Je connais ce Dieu de restauration. Il va restaurer cette année-ci une chose pourrie, à donner la vie. Si tu donnes compréhension avec ton épouse, si tu donnes compréhension avec ton époux et que vous ne vous entendez pas, tu dis que je ne la sens plus ou je ne le sens plus, le Saint-Esprit descendra, il donnera les vibrations de sa gloire et tu vas la sentir, tu vas la sentir au nom de Jésus. C'est un signe, tu as des enfants têtus, mais tes enfants seront la tête à l'école. Tes enfants vont aussi à l'école. Tes enfants verront la différence. Frères et sœurs, cette année-ci tu as mal chanté, mais Dieu t'accordera une nouvelle voix. Cette année-ci, frère, tu as mal chanté, mais Dieu t'accorde une nouvelle voix. Cette année-ci, tu as été pauvre en finance, mais l'année que Dieu te donne, tu seras riche. Tu es béni de toutes les bénédictions. Cette année-ci, la pauvreté sous nos pieds. Au nom de Jésus. Cette année-ci, la pauvreté bannie au nom de Jésus. Et peut-être que l'année dernière, Dieu va les épancher. Il les a épanchés. 2015 est mort. 2015 est enterré. Et Dieu va te donner les finances divines. La pomme centrale du ciel sera ta portion. La pomme centrale du ciel sera ta portion. Dans le nom de Jésus. Oh, je voudrais challenger quelqu'un cette année-ci. Tu as souvent travaillé derrière les gens. Tu as des projets qui ne s'accomplissent pas. Mais cette année-ci, tu seras chef d'entreprise. Tu as souvent travaillé derrière les autres. Tu as travaillé devant les occultes. Tu as travaillé avec les sorciers. Mais cette année-ci, voilà ton fauteuil de patron. Voilà ton fauteuil de directeur. Ton fauteuil de chef. Et je vais redire, je le dis devant le ciel et la terre, toi qui as un problème de papier, chaque année on revient sur cette équation papier, papier de 10 ans pas donné, nationalité pas donné, papier d'établissement pas donné, je dis que cette année-ci, reçois tes papiers, dans le nom de Jésus, tu reçois tes papiers, au nom de Jésus, tu reçois tes papiers, au nom de Jésus, tu reçois tes papiers, toi qui n'accouches pas. Je connais mon Dieu. Toi qui n'accouches pas. Qui n'accouches pas. Cette année-ci, tu vas accoucher. Amen. Je dis tu vas accoucher. Amen. Ton amène micro. Tu vas accoucher. Amen. Tu vas accoucher. Amen. Tu vas accoucher. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas accoucher. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'as pas encore vu ton Ève ni ton Adam. Cette année, tu vas le voir. Tu vas avoir. Cette année, tu vas le voir, tu vas l'avoir. Et comme a dit papa, je ne le vois pas. Mais je prie que cette année, que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie cette année, que Dieu t'ouvre les yeux. Oh, bien aimé, attrapons le visage, faisons ça aux yeux. Faisons ça aux yeux, bien-aimés. Faisons ça aux yeux. Quand je vais le faire, et je vais déclarer quand je vais le faire, je déclare dans ta destinée tous les toits d'araignée sur ton visage, et toi de rejet, et toi de malheur, et toi de fausse touche. Je déclare avec l'Esprit Saint de Dieu, je vais les briser. Je les brise. Je les brise. Au nom de Jésus, tout cesse dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre les cieux, comme il a fait baptiser. Que Dieu t'ouvre les cieux, comme il a fait baptiser. Que la gloire revienne à Christ pour l'éternité. Conquérant, reçois ta victoire. Conquérant, reçois ton élévation. Conquérant, reçois ton séjour et ta finance. Au nom de Jésus. Lève-nous quand. Quelle chaîne regardez-vous? Regardez GTL TV, c'est la meilleure.